Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de la semaine qui démarre le lundi 1er avril 2024. Et puis, on va appuyer, parce que c'est vraiment le cœur de cet horoscope de la semaine, à travers la demi-lune, je l'appelle la demi-pleine lune, qui va, elle, se réaliser dans le ciel mardi 2 avril, très précisément à 18h22 en temps sidéral, ça fait en gros 20h22, et dans un angle qui est particulier, l'angle 19 degrés pour le soleil du bélier et 19 degrés du capricorne pour la lune, c'est un carré. Je vais vous expliquer. Allez, lundi matin à 6h du matin, la lune rentre dans le signe du capricorne. Jusqu'à lundi 6h du matin, pendant une bonne partie du week-end, si vous avez regardé mon horoscope lunaire de la semaine dernière, vous avez retenu que la lune est en sagittaire pour tout le week-end, une bonne partie du week-end, la lune en sagittaire qu'apportait jusqu'à lundi 6h du matin, donc profitez-en. Très bonnes énergies pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et puis également pour mes balances et mes verseaux par le jeu des sextiles. Plutôt pas mal pour vous au niveau de l'humeur, là, cette fin de week-end. Dans tous les cas, l'influence de la Lune, elle exerce cette configuration-là. À partir de lundi 6h du matin, la Lune rentre en Capricorne. Ce n'est pas sa position la plus fluide. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où la Lune, lors de son périple, a plus ou moins d'affinités. Elle a des affinités toutes particulières avec le signe du taureau, avec le signe du cancer, également avec d'autres secteurs du ciel où elle est plus en adéquation. Mais si elle est si belle dans le signe du cancer, par exemple, lorsqu'elle est en face dans le signe du capricorne, dynamique de rigueur, de sérieux, de fiabilité, mais en même temps de retenue des émotions, elle est touchée, impactée, imprégnée, par des systèmes souvent qui sont des freins à l'expansion de l'affect, qui ont besoin de se sentir autonome, de ne dépendre de personne, et c'est pour ça qu'on va y retrouver chez Lune en Capricorne autant de fiabilité sur le plan professionnel, de sérieux, d'intégrité, mais en même temps, paradoxalement, bon, d'irréprochabilité aussi, formidable, mais en même temps de mise à distance, même avec les gens qu'on aime. Et ça, c'est plus complexe, parce que le boulot, la fonction première de la Lune, c'est de créer du lien sur le plan affection, personnel, humain, proximité, et en Capricorne, elle souffre de ça. Donc, en Capricorne, il n'empêche qu'elle forme des énergies apaisantes, là, pendant tout son périple en Capricorne, elle y restera jusqu'à mercredi 11h du matin. Donc, en Capricorne, elle apporte quand même des énergies, on va dire, apaisantes pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pour mes Vierges, pour mes Scorpions et pour mes Poissons. Ça, c'est le bon côté. Pour lundi, gardons ce côté positif globalement. En revanche, mardi, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que j'évoque tous les mois ce qu'on appelle les singularités du couple Soleil-Lune. Les singularités du couple Soleil-Lune, quelles sont-elles? Ce sont les nouvelles lunes, c'est-à-dire que vu de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même axe, dans notre champ visuel, et également, 15 jours plus tard, l'opposition Soleil-Lune qu'on appelle la pleine Lune, donc dichotomie, tension entre le conscient Soleil et l'inconscient la Lune. Mais on ne parle pas, pourquoi? Parce qu'il faut les calculer, puis pour beaucoup c'est casse-pieds, ils ne savent pas le faire, il y a également, 2 fois par mois, ce qu'on appelle la demi-pleine lune, le carré soleil-lune. Et un carré, c'est encore plus vif, encore plus réactif, encore plus violent qu'une opposition. Ça, le carré, c'est un aspect de tension. Et là, ce carré soleil-lune, donc cette demi-pleine lune, en quelque sorte, se réalise, je disais, dans l'axe Soleil-Bélier, qui est un signe plutôt combatif, Lune-Capricorne, qui est une lune qui ne cesse pas faire. Donc, ce sont 2 signes gouvernés par Mars. Donc, la surtension des 2 signes gouvernés par Mars risque de m'agacer, accrochez-vous bien, mais ceux qui appartiennent au 2e, 3e décan Bélier, 2e, 3e décan Balance, 2e, 3e décan Capricorne, et 2e, 3e décan Cancer. Vous 4, mardi, ça risque d'être tendu. Et donc, si ça risque d'être tendu, la nuit va être un peu comme une pleine lune, en fait, tout simplement. Rien de bien grave, ce sont des mouvements très rapides. Hein, la lune fait son tour en 29 jours, donc elle fait 13 degrés jour. Le lendemain, on n'en parle plus. Mais ce créneau, mardi, fin de journée, s'il y a des mises au point, des clarifications, des éléments de tension, de l'énergie qui monte en hausse, de la fatigue, de l'agacement, on lève le pied, voilà, on est prévenu, on reporte à plus tard les discussions un peu houleuses, les mises au point un peu directes, parce qu'on ne sera pas au mieux de ses disponibilités, de sa disposition pour trouver des solutions douces qui, on le sait, plus on monte en charge, plus ça se cristallise, on le voit partout autour de nous, et à l'inverse, plus on se pose pour trouver des solutions et mieux ça passe. Avec l'esprit froid, un peu de rationalité, c'est toujours mieux que dans la sanguinité de l'instant présent quand on est en surchauffe. Voilà le postulat. Je poursuis mon périple. Il y a mardi également des aspects qui sont un peu compliqués. Par exemple, il y aura également dans la foulée, mardi fin de journée, un carré entre Mercure et la Lune. Mercure et la Lune, deux planètes les plus rapides, donc il est assez plausible aussi qu'au niveau de la communication, les mots dépassent la pensée, surtout qu'en ce moment Mercure est en Bélier, et il est connu pour être vif au niveau du verbe. Hein. Je dis souvent, Mercure Bélier, les mots dépassent la pensée. Hein. On met les pieds dans le plat, on y va tout chose pour être sûr d'être entendu, il y a une sorte d'impatience en Bélier, Mercure il est rapide, il pige vite, ça c'est son bon côté, mais ce qui le moins, c'est cette impatience dans le jeu du ping-pong de l'échange qui fait que pour avoir une réactivité plus rapide en face, on va monter le ton, monter en volume, monter en attaque, en quelque sorte, et ça peut faire des dégâts terribles en matière de communication si on ne maîtrise pas cette tendance-là. Donc attention mardi soir pour les 4 mêmes dont je parlais tout à l'heure. Et puis dans la foulée, cette lune, lorsqu'elle sera toujours en Capricorne, elle forme aussi de très beaux aspects avec Jupiter et Uranus. Alors ceux qui en bénéficient au niveau de l'humeur, c'est toujours les mêmes. Capricorne, hein, bon, sous réserve que les aspects sont assez contrariés pour vous, mais avec les aspects qui sont en taureau avec Jupiter-Uranus, là au trigone de la Lune, c'est plutôt bon pour les taureaux, plutôt beau pour les vierges, pas si mal pour les scorpions, pas si mal pour les poissons. Voilà ce qu'il faut retenir de cet angle très tendu de la Lune qui se réalise via le jeu du carré mardi, on l'a vu, à vers 20h22 très précisément. Voilà, vous avez l'info centrale de la semaine. À partir de là, on arrive à mercredi, mercredi 3. Mercredi 3, à 11h du matin, la Lune quitte le Capricorne pour entrer en Verseau. En Verseau, elle va commencer mercredi 3 par former une conjonction avec Pluton, qui lui est toujours en début Verseau. Vous savez à quel point il est long, et il va y rester un bout de temps là en début Verseau. Donc Lune, Pluton en début Verseau apporte très belles énergies à qui ? À mes débuts Balance, mes débuts Gémeaux, mes débuts Bélier, mes débuts Sagittaire. Les débuts, c'est ce que j'appelle premier décan, hein, vous êtes vraiment dans le cœur de cible, et puis après c'est dégressif pour les autres décans, mais le plus puissant se joue à ce niveau-là, dans cette séquence-là. Donc très bien pour marier l'intuition, l'instinct, et le besoin de réformer, de changer la vision profonde qu'on a des situations, c'est pas mal. Verseau, vous êtes les plus touchés, les plus impactés, parce que la conjonction se fait chez vous, donc si on a dans les ressentis profond, envie de, pas de réformer, mais de voir les choses émotionnellement sous un angle complètement neuf, ce type d'aspect vous y invite. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mercredi, il y a un sextile avec Mercure qui se joue jeudi. Jeudi, il y a des aspects intéressants, jeudi, dans le ciel. Sextile avec Mercure. Lune-Mercure, c'est très bon quand les aspects sont bons dans le ciel. Très bon pour communiquer. Très bon pour communiquer pour mes signes d'air et mes signes de feu. Globalement, l'un compensant l'autre. Plus grande fluidité en matière de communication pour mes béliers et mes jeudi. Retenez jeudi, hein, pour communiquer c'est mieux. Bélier, Lion, Sagittaire et Gémeaux, Verseau, Balance. Communication devrait être plus agréable, plus apte à trouver des compromis, plus de fluidité à trouver la bonne longueur d'onde. On y met la bonne volonté, on trouve les mots qui font mouche, on est plus subtil, c'est très bien. Jeudi pour vous 5. Et puis vendredi, la donne change encore parce que à ce moment-là, la Lune va quitter le Verseau et rentrer en Poisson. J'en fais pas ni un secret d'État, ni un roman, j'aime beaucoup les lunes en Poisson. Lune Poisson, dans mon esprit, c'est les Mères Teresa, c'est les profils qui ont besoin d'être dans l'utile, qui ont besoin qui ont une empathie, une réceptivité, une sensibilité, une appétence à s'imprégner des mécanismes ambiants, d'un point de vue émotionnel environnant. On sent les gens, Lune en Poisson, on sent les gens, et en général avec bienveillance, en essayant d'être utile, ce qui est la cerise sur le gâteau de la Lune en Poisson. Donc, très bon à partir de vendredi pour mes poissons, mes scorpions, hein, un peu votre tour là, mes taureaux, bien évidemment, mes cancers, mes capricornes, pas mal. Peut-être un tout petit peu de fatigue pour mes vierges, parce qu'il y a une opposition de la Lune qui va se réveiller et faire le lien avec Mars qui est également en Poisson, avec Saturne qui est également en Poisson. Là, on est samedi. Samedi, attention aux humeurs un peu variables. Chez qui? Lune sera en Poisson, Mars sera en Poisson, Saturne sera en Poisson. Lune, Saturne, c'est pas des moments de déprime, des petits moments de mélancolie. Attention, donc premier décan, Vierge, Sagittaire, Verseau et Poisson. Peut-être des petites variations d'humeur samedi, ne pas laisser s'installer ce type d'ambiance, gommez-le. En revanche, plutôt bon, on l'a vu, quand elle sera en poisson, avec toute cette réunion de planètes en poisson, plutôt bon au niveau moral pour mes poissons, si on gère bien, mais en tous les cas, bon pour mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Vous, vous avez vraiment l'aptitude de tirer le meilleur de cette situation émotionnelle d'hypersensibilité en présence. Voilà l'information que je voulais vous transmettre. Et puis, à partir de dimanche à 13h26 exactement, la lune quittera les poissons pour rentrer en bélier. Et en bélier, ça donne une deuxième partie de dimanche, pour ceux qui ont des planètes en signe de feu, hein, beaucoup plus tonique, on se reprend en main, allez, fini la mélancolie avec lune bélier, ça c'est un vaccin anti-mélancolie formidable la lune en bélier, hein, lune en signe de feu, on se redynamise. Donc très bon à partir de dimanche 13h, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes verseaux et mes gémeaux. Et voilà, et on termine le week-end, et puis j'aurai des choses à vous raconter sur la nouvelle lune qui se présentera après, bien évidemment, mais ça je vous le réserve pour la semaine prochaine. Voilà, c'était mon horoscope lunaire. Et puis, tant qu'on y était, je vais revenir sur la Lune. La Lune, à chaque fois, je vous en parle un petit peu, parce que j'aime bien, parce que la Lune, j'ai en tête, dans la manière dont j'approche un profil individuel, vraiment une structure de pensée qui est simple. Gardons à l'esprit le couple Soleil-Lune, conscient-inconscient, extérieur-intérieur. Je vous ai parlé de mémoire assez longuement des mécanismes lunaires liés à l'enfance, et puis quand j'avais une lune un peu fragile, la trilogie des boulimies compensatrices, vous trouverez ça dans mes vidéos antérieures. Et là, je voudrais qu'on ait cette logique de pulsion créative incarnée par la Lune, la sensibilité incarnée par la Lune, l'intelligence émotionnelle incarnée par la Lune, et puis les rêves de l'enfance, c'est la Lune, en fait. Et là-dessus, j'ai récupéré une petite citation d'Épictète qu'on m'a adorablement fait parvenir par les gentilles citations que vous m'envoyez dans les commentaires avec la vidéo. Alors, la citation d'Épictète, c'est « N'attends pas que la vie soit comme tu l'aurais voulu. N'attends pas que la vie soit comme tu l'aurais voulu. Mais décide de l'avoir voulu comme elle est. Décide de l'avoir voulu comme elle est en réalité. Et là, tu seras heureux. » En gros, et c'est André Comte-Sponville, un philosophe contemporain que j'adore, qui a une approche de la vie, en fait, qui structurellement, je ne pourrais pas le traduire dans le détail, au mot près, mais structurellement, son approche, c'est, il fustige un peu ceux qui se disent la vie est dure, la vie est injuste, j'attendais de la vie, si et ça. Et bien, finalement, la vie, elle fait ce qu'elle peut, la vie. Et c'est à nous de nous ajuster. C'est pas à la vie de s'ajuster à nous, c'est à nous de nous ajuster à la vie, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, et puis je terminerai par une citation à laquelle je suis, à titre personnel, particulièrement attaché. Celle-ci, je l'ai gravée dans le marbre, elle fait partie de mes postulats de fonctionnement fondamentaux. J'ai dû vous la sortir 10 fois, mais je vais le refaire pour l'anecdote. Cette citation, c'est « Le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de volonté. » Je vous la refais. Le pessimisme est d'humeur, alors que l'optimisme est de volonté. Et ça, c'est vraiment des mécanismes lunaires. Et je retrouve ça, l'humeur, c'est la Lune. Et donc, quand on conscientise l'humeur du moment, on a tous des agacements, surtout avec tout ce qu'on reçoit en information anxiogène, donc c'est le cœur de métier de certains, hein, tout ce qui est chaîne d'infos, c'est créer de l'anxiété parce que ça crée de l'intérêt. L'inverse l'est aussi, à savoir, quand on sait prendre le recul, certains disent soumettre ses passions, soumettre ses volontés et faire des nouveaux progrès sur nous-mêmes, c'est quand même l'objectif qui consiste à trouver la bonne distanciation entre ceux qui nous imprègnent émotionnellement, faire le tri, garder ce qui fonctionne et positiver sur toutes les petites choses de la vie, tous les petits détails, les petites gentillesses, les petites actions, les petites solutions, les démarches, plein de petites choses, parce que j'ai l'absolue conviction que c'est ce qui nous rend heureux. Si on attend les grandes occasions, on l'est rarement. Si on conscientise toutes les bonnes choses qu'on a, je vous assure que ça joue énormément, et on redistille ça. Moi, je suis pour les spirales vertueuses. Quand vous projetez de l'énergie positive, vous récoltez en retour de l'énergie positive. Et puis l'idée, parce qu'on est toujours à un moment ou à un autre confronté à des profils qui vous envahissent de leurs énergies négatives, le tout c'est de les filtrer, quoi. toute façon, les gens bien élevés, ils envoient des bonnes énergies. Hein. Quand ils vous voient, ils ne vous racontent pas tous leurs problèmes parce qu'ils vous envahissent de leurs mauvaises énergies. Donc ça aussi, c'est de l'éducation, c'est de la gentillesse, c'est toutes les bonnes énergies qu'on aime. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Donc retenez bien quand même ce carré Soleil-Lune, il y en a 2 par mois. Ce sont des micro-phénomènes, mais ils sont hyper intéressants, parce qu'ils sont beaucoup plus aigus qu'une pleine lune ou qu'une nouvelle lune. C'est tendu. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour vos gentils commentaires, vos abonnements, vos messages, vos likes. À très vite.